sur la place Saint-Pierre à Rome, 21 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François, dont sa béatitude Pier Battista Pitiabala, patriarche de Jérusalem des Latins. Dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, le nouveau cardinal a présidé une messe pour les personnes venues à Rome spécialement pour l'occasion. La célébration de la fête de Saint-François à Jérusalem. L'un des moments les plus émouvants a été la narration du Transitus de Saint-François, avec, à la fin, le Cantique des Créatures. Le frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, et le frère Francesco Patone, custode de Terre Sainte, parlent des défis de la mission franciscaine en Syrie, où la communauté a été marquée par la guerre et le récent tremblement de terre. Du 5 au 11 septembre, 125 jeunes ont participé à la 9e marche franciscaine en Syrie, intitulée « Ta parole est dans mon cœur ». Les jeunes Syriens sont partis à la recherche de la parole de Dieu pour en faire la lumière qui guide leur vie. Ce samedi 30 septembre 2023, à 10h, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le pape François a célébré le consistoire ordinaire public pour la création de 21 nouveaux cardinaux. En pensant à cette célébration, a déclaré le Saint-Père, ce texte des Actes des Apôtres m'est venu à l'esprit. Il s'agit d'un texte fondamental, le récit de la Pentecôte, le baptême de l'Église. Mais en réalité, ma pensée a surtout été attirée par un détail particulier, par cette expression sortie de la bouche des Juifs, qui habitaient alors à Jérusalem. Ils ont déclaré « Nous sommes des Parthes, des Médès, des Élamites ». Il s'agit ici d'appliquer à nous-mêmes, et je suis le premier à le faire, l'expérience de ces Juifs, qui par un don de Dieu, se sont retrouvés protagonistes de l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire du baptême de l'Esprit-Saint. C'est cela qui a donné naissance à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. L'Église mère, qui parle dans toutes les langues. Après la remise de la bulle de création et l'assignation de la diaconie, le pape a échangé une accolade avec chacun des nouveaux cardinaux. Parmi ces derniers, figurait sa béatitude Pier Battista Pitiabala, patriarche de Jérusalem des Latins, et son éminence Claudio Guggerotti, préfet du dicastère pour les églises orientales. Le collège des cardinaux compte désormais 243 membres, dont 137 électeurs. Depuis le rétablissement du patriarcat latin, c'est la deuxième fois qu'un patriarche de Jérusalem est créé cardinal, et la première fois qu'il s'agit d'un cardinal résident. Immédiatement après le consistoire, dans la salle des bénédictions, les nouveaux cardinaux ont salué les amis et les pèlerins venus du monde entier pour accompagner leur pasteur. Le jour suivant, un dimanche, les nouveaux cardinaux ont rencontré leur communauté. Dans la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, où est conservée la relique du berceau de l'enfant Jésus, sa béatitude cardinal Pitiabala a célébré l'Eucharistie avec ceux venus à Rome de Terre Sainte, d'Amérique et d'Europe, spécialement pour lui. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un cardinal? S'est demandé le patriarche dans son homélie. C'est devenir père de l'Église de Rome, et donc de l'Église universelle, ce qui signifie regarder le Christ et le monde avec Pierre. Mais il y a un premier Pierre, avant le reniement, et un second Pierre, qui renaît du regard plein de pardon de Jésus. Un dirigeant qui n'a pas fait l'expérience du pardon devient vite ingérable. Jérusalem, a poursuivi sa béatitude, est une ville d'une richesse extraordinaire, mais également une ville de nombreuses peines, tensions et lacérations. En tant qu'Église de Jérusalem et de Rome, nous avons toujours ce mandat, être ceux qui rappellent au monde de regarder vers le Christ avec Pierre, le deuxième Pierre. À la fin de la messe, le cardinal a été accueilli par de chaleureux applaudissements de la part de ses confrères, amis et fidèles. Nous vivons un très beau moment d'église, un moment d'église universelle. Rome et Jérusalem sont unis et toutes les réalités de Jérusalem sont présentes, ensemble avec l'église de Rome. Il nous faut en profiter pour réfléchir plus profondément au ministère de Pierre, à son service, en gardant nos regards dirigés vers le Christ. Il Santo Padre a avuto l'idea di attirare l'attenzione di nuovo. Le Saint-Père a eu l'idée d'attirer à nouveau l'attention, non seulement sur la personne bien-aimée de Monseigneur Pitiabala, mais aussi sur la réalité que ce dernier gère. Une église minoritaire qui se trouve en Terre Sainte,
au milieu d'un long conflit qui n'a pas encore trouvé de solution. Il sera la voix de l'Église, la voix de ceux qui réclament paix et justice. La voce del popolo che vuole la pace e la giustizia. L'Arg l'Mqaddasé هو كتير شرف لعبراشية القدس. C'est un grand honneur d'être ici, non seulement pour moi, mais aussi pour toute notre communauté de Jérusalem. Le cardinal Pizzaballa nous est vraiment cher. Nous le sentons très proche de nous. È una nomina che ha una rilevanza anche pensando alla situazione che stanno vivendo i cristiani non solo nella Terra Santa in senso stretto, ma un po' di tutto. Il s'agit d'une nomination qui est également pertinente au regard de la situation que connaissent les chrétiens, non seulement en Terre Sainte au sens strict, mais aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient. Une situation de souffrance, de martyr, qui voit aussi une réduction progressive de la présence chrétienne. Pour nous, frères de la custodie de Terre Sainte, c'est aussi un motif de joie bien particulier, car le cardinal Pizzaballa est l'un de nos confrères. Il a été custode en Terre Sainte pendant 12 ans et il sera donc en mesure de soutenir et d'encourager notre propre présence, celle de gardien des lieux saints sur mandat du Saint-Siège. Nous lui souhaitons naturellement du fond du cœur que le rouge de la pourpre s'incarne dans sa passion et son amour ardent pour les chrétiens de Terre Sainte, et dans sa volonté de donner sa vie pour l'Église de Terre Sainte. Passione in un amore ardente per i cristiani di Terra Santa e nella disponibilità a dare la vita per la Chiesa di Terra Santa. À côté de la portioncule d'Assise se trouve la chapelle du Transit, l'ancienne infirmerie du monastère, où le soir du 3 octobre 1226, Saint François reçut la mort en chantant. Chaque année, le 3 octobre, au coucher du soleil, la commémoration du transit du Saint est célébrée solennellement dans le monde entier. À Jérusalem, la célébration, présidée par le frère Francesco Patone, custode de Terre Sainte, en présence des frères de la custodie, des communautés religieuses présentes en Terre Sainte et des chrétiens locaux, s'est déroulée au monastère de Saint-Sauveur. Dans son homélie, le custode de Terre Sainte a parlé du don de la vie éternelle. Ce que nous recherchons, à plus ou moins long terme, a-t-il déclaré, c'est une vie pleine, c'est-à-dire heureuse et éternelle. Ce que Saint François nous enseigne avec son parcours existentiel, c'est que nous nous préparons à cette vie pleine et éternelle à travers une série de passages pascals qui, de temps en temps, nous amènent à voir mourir une partie de nous ou à la laisser mourir, pour arriver à une forme de vie plus authentique et plus comblée. Comme François s'y est entraîné toute sa vie, il peut dire à l'heure de la mort, le sourire aux lèvres, « Ma sœur, la mort est désormais la bienvenue. Pour moi, elle sera la porte de la vie. » Au cours de la célébration des Vêpres, 42 frères étudiants du couvent d'Ain Karem et de Saint-Sauveur, aux origines diverses, ont renouvelé leurs premiers vœux. L'un des moments les plus émouvants est la narration du Transitus de Saint François, avec le cantique des créatures à la fin. Les célébrations ont repris le lendemain matin, avec une messe au sein de l'église de Saint Sauveur. Paré de magnifiques fleurs, l'autel a accueilli les célébrants et la longue procession de franciscains et d'autres prêtres et religieux qui se sont joints, dans un esprit de communion fraternelle, à la joie de cette journée. Étaient également présents des représentants des autorités religieuses, des consulats de Jérusalem et des églises catholiques de rite oriental. Conformément à la tradition, qui veut que les dominicains président la célébration de la fête de Saint François, et inversement pour la Saint-Dominique, la messe a été présidée par le frère Martin Stazak, prieur du monastère de Saint-Étienne. L'homélie a quant à elle été prononcée par le père Anthony Giambron, directeur adjoint de l'école biblique de Jérusalem, qui a souligné que l'Église, de par sa nature, devait grandir dans tous ses membres jusqu'à l'homme parfait et jusqu'à la hauteur de la maturité du Christ. « Nous en voyons un reflet dans la croissance du charisme franciscain », a-t-il poursuivi. « Dans la fécondité de Saint François, nous voyons comment l'Esprit lui-même lui a donné sans mesure ce qui l'a amené à la splendeur du témoignage évangélique. » Les frères mineurs sont présents au Moyen-Orient depuis le voyage missionnaire de Saint François,
c'est-à-dire depuis 800 ans. J'oserais dire que nous sommes présents depuis le début, car nous sommes en Syrie depuis l'époque de Saint François. Bien sûr, il y a eu des périodes où nous avons été plus présents et d'autres où nous l'avons moins été. Selon les mots du frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'ordre des frères mineurs et du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les défis de la mission en Syrie, où la communauté est marquée par la guerre et le dernier tremblement de terre, sont grands. In questi giorni in Siria ho potuto rendermi conto in prima persona della situazione di questa terra. Sapevo, mi sono sempre informato, ho letto. J'ai toujours été informé. J'ai lu, j'ai vu des photos, mais voir, parcourir les lieux, rencontrer les gens, c'est autre chose. Une chose que font nos frères. J'ai ainsi vu une terre très belle, très riche, avec beaucoup de potentiel. Mais aussi une terre déchirée par la guerre, par le tremblement de terre, par tout ce qui s'est passé. Malgré ça, j'ai rencontré un peuple avec beaucoup de dignité et beaucoup de détermination. Certainement aussi avec beaucoup de fatigue. Cette fatigue qu'ils ont de rester dans ce pays. Ici, on trouve de nombreuses situations et sentiments mélangés. Fatica, con la fatica anche di restare in questa terra. Direi che qui si trovano un po' tante situazioni e sentimenti diversi mischiati. Avant de venir en Syrie, j'ai passé deux jours au Liban. J'ai vu des frères qui restaient avec les gens, qui étaient proches de leur communauté et qui essayaient de donner de l'espoir. Un mot que j'utilise ici mais qui est encore très difficile à prononcer dans ces conditions. Néanmoins, l'espoir fait partie de notre foi en Dieu. Dieu est plus grand que toute destruction et il saura accorder sa paix à ces gens. Peu après le terrible tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie au début de cette année, le custode s'est rendu auprès des frères de la custodie et des communautés en grande difficulté et nous raconte ce qu'il y a vu. Au cours des derniers mois, il y a eu un engagement fort de la part de nos frères pour aider les gens dans les villages, pour reconstruire leurs maisons. À Alep, l'effort a également constitué en une aide pour que les gens puissent retourner dans leurs maisons et retrouver un peu de sérénité. Cependant, la situation reste très difficile, parce que la situation économique est catastrophique. Je dirais que beaucoup de gens ont encore envie de partir et n'ont pas envie de continuer à rester. Le frère Patton se souvient de moments d'encouragement pour la communauté chrétienne. La consécration épiscopale du Padre Hanna è stato. La consécration épiscopale du Père Hanna a été un moment de fête, à mon avis extraordinaire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir comment les gens se sont reconnus dans l'évêque. De voir que les gens se sentaient représentés par ce confrère qui était toujours là, à sa place, à côté de son troupeau, à côté de ses fidèles, en risquant sa vie pour eux. Al suo gregge, accanto ai suoi fedeli, e che ha rischiato la vita per loro. E dopo devo dire ho apprezzato molto anche quello che è stata l'omelia. J'ai également beaucoup apprécié l'omélie et les paroles du cardinal Guggirotti, préfet du dicaster pour les églises orientales. Il y a eu des paroles très fortes de condamnation envers les responsables des guerres. Ceux qui continuent à affamer les populations civiles, à les mettre en difficulté à travers des conflits, des formes d'embargo et des sanctions qui pénalisent les plus pauvres. Le custode de Terre Sainte a également formulé un souhait à l'occasion de la fête de Saint François. Le désir que je formule naturellement à la fête de Saint François est que nous puissions tous, comme François, redécouvrir combien l'Évangile donne un sens, une saveur, une direction à notre vie et comment, à travers l'Évangile, nous pouvons vraiment rencontrer, écouter, suivre Jésus-Christ et, à travers lui, avec lui, parcourir le chemin de notre vie pour atteindre ce but qui est la vie éternelle, la communion avec Dieu. Percorrere il cammino della nostra vita per giungere poi a quella meta che è la vita eterna, la comunione con Dio. Per quelli che perdonano per lo tuo amore. Ce sont 125 jeunes qui, cette année, ont fait le choix de quitter leur vie quotidienne pour partir à la recherche du Seigneur Jésus, à l'occasion de la 9e marche franciscaine en Syrie. Du 5 au 11 septembre,
Ils sont ainsi partis de Tartus, sont passés par Al-Karabat, Al-Souda et Dar-Safra, et ont fini par atteindre Al-Karab. Avant la marche, je vivais comme dans un brouillard, je ne voyais rien, je n'avais aucune direction. Puis pendant la marche, j'ai senti que le brouillard se dissipait et que tout devenait plus clair dans ma vie, que je pouvais enfin lui sourire. C'est comme si Dieu m'avait dit « Bienvenue ». Ta parole est dans mon cœur. Tel était le titre de la marche, tiré du psaume 119. J'ai serré ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. J'ai été appelé, à travers ce psaume, à serrer la parole de Dieu dans mon cœur afin qu'elle m'accompagne sur le chemin de ma vie, dans mes joies comme dans mes peines. Un chemin qui semble parfois impossible à emprunter, mais qui se veut rempli d'enseignements. Car l'homme a besoin d'un compagnon ou d'un ami pour le soutenir, afin de découvrir que l'autre est un don de Dieu dans notre vie. Au cours de cette marche, j'ai découvert la véritable signification du mot « coopération ». Pendant la marche, j'ai rencontré Dieu à travers les nombreuses personnes proches de moi. Merci aussi aux frères et sœurs qui m'ont soutenue. J'ai senti leur amour et leur bonté. Une soirée spirituelle centrée sur la parole de Dieu, qui doit être à la base de toute vie, mais aussi de l'action des jeunes. Les thèmes abordés lors de cette marche m'ont profondément changé et m'ont fait découvrir des choses sur moi-même dont je n'avais pas conscience. Une expérience enrichissante que ces jeunes ont également pu vivre grâce à l'atelier des rêves. Chacun de nous a de nombreux rêves qu'il souhaite voir se réaliser. Mais le but est de rêver de Dieu ensemble, pour que ces rêves se réalisent en nous, et non pas pour que nous les réalisions seuls. Les jeunes ont également vécu une expérience importante lors du lavement des pieds par les frères. L'humilité de tous les prêtres lorsqu'ils nous ont lavé les pieds, c'est le moment qui m'a le plus touché. Cela m'a appris à quel point l'humilité, mais aussi la fierté, sont nécessaires pour atteindre Dieu. Selon le frère Samar Isaac, la marche a eu un impact positif sur les jeunes. À travers la spiritualité de Saint François, ils ont appris à aborder la vie de son point de vue, c'est-à-dire avec simplicité et sans complexité. Ils ont également éprouvé de la joie après l'effort physique de la marche, une métaphore de la vie. Aux jeunes, je dis ceci. La marche franciscaine s'est achevée à Al-Karab, mais pas dans leur vie. Ils doivent la garder dans leur cœur. Leur voyage ne s'est pas terminé à un endroit précis, mais continue partout. À la maison, avec les amis, au travail et à l'université. La marche rassemble l'amour, la miséricorde, la joie et la paix dont ils ont fait l'expérience. Et cela doit leur procurer de l'espoir. La messe d'ouverture de la nouvelle année académique du Studium Biblicum Franciscanum et du Studium Theologicum Hierosolymitum de la Custodie de Terre Sainte s'est déroulée à Jérusalem dans l'église de Saint-Sauveur. Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal latin pour Israël, a présidé la célébration, qui a également été concélébrée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le frère Matteo Munari, vice-doyen du Studium Biblicum Franciscanum, ainsi que plusieurs professeurs et étudiants. À la fin de la célébration, le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a invité les personnes présentes à un moment de convivialité fraternelle. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la Custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.